Salut à tous, ici Marek sur Booster à la chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir du Magic, à nouveau la révolte éthérique puisque, comme je vous l'annonçais, j'ai pu me procurer deux petits packs d'avant-première de cette extension. Donc le premier a été ouvert déjà, c'était pas français mais c'est pas grave, vous avez compris, donc dans une précédente vidéo que je vous invite à aller visionner, même si honnêtement c'était un pack un peu moisi, mais si vous voulez vous marrer et être reconnaissant pour moi d'avoir sauvé un éventuel joueur, d'avoir ouvert ce pack un petit peu bof en tournoi, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut être intéressant, ça fait partie du jeu, hein, c'est le hasard, et ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire avec un pack un peu moins fumé, quoi. Donc voilà. Et donc là, c'est mon deuxième et dernier pack d'avant-première. Donc on va faire exactement comme pour le premier, c'est-à-dire que je vais l'ouvrir, je vais trier les cartes par couleur, les présenter sans forcément détailler les choses. Ouais, j'ai un peu trop appuyé dessus, je l'ai un peu enfoncé, c'est pas très grave. Et je vais donner mon avis sur ce que j'aurais construit, ce que j'aurais fait avec ce pack. Et je vous invite bien à réagir, à commenter et à m'indiquer ce que vous aurez fait sur ce pack d'avant-première, tout simplement. Donc où est-ce que je pose ce truc? Ici, c'est très bien. Voilà, donc c'est parti. Dites-vous que quelqu'un aurait pu ouvrir ce pack en tournoi. Est-ce que ce pack vaut le coup? On va le découvrir. Donc je vous propose encore une fois de découvrir la carte bonus en fait en premier. Et on aura le droit, c'est une blague, moissonneur de l'Éthersphère. J'ai ouvert la même dans mon avant-première, quoi. Bon, en fait, j'ai deux fois cette carte en version pro. Après, c'est une carte très correcte, une carte... Ouais, c'est même une bonne carte, donc il n'y a aucun souci, mais... Ok, écoutez, super. Donc déjà, ça va nous donner cette carte dans le pack, donc déjà, le pack sera déjà intéressant vis-à-vis de ça, donc on peut déjà se réjouir. J'espère que le pack ne va pas être un clone du pack que j'ai eu... que j'ai eu le jour de la paix en piochant cette carte là, on va voir. Donc je vous propose comme d'hab d'ouvrir les deux Kaladesh et de finir avec les révoltes. Voilà, donc non, on va d'abord ouvrir l'ange et on finira avec Shaili, je crois que c'est son nom. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert de Kaladesh, donc allez, c'est parti. Alors, soit on garde de côté parce que t'es plutôt bien, contrairement à la carte qu'on avait ouvert dans le premier pack d'avant-première. Bref, j'ai vraiment jamais de mythique, quoi. Sauf une fois, c'est arrivé, mais j'ai vraiment du mal à tomber sur des mythiques comme ça, quoi. Bref, ça c'était la minute plaintive, on va dire. Bref, c'est parti. Donc avec le blanc, qu'est-ce qu'on a? On commence avec un petit éphémère qui met des blessures, qui met trois blessures. Donc ça c'est plutôt bien. On a un artefact qui peut coller une blessure en rouge. Ok. On a un petit bleu qui dégage les permanents non-terrain que l'on contrôle. Ça peut faire une petite surprise. Genre, on attaque avec tout, l'adversaire qui dit « ça y est, c'est le moment ou jamais, je bourrine avec tout ». Pouf, vous jouez ça et vous avez tout ce qu'il faut pour bloquer, c'est génial. Une petite 2-1 avec le vol qui en fait est une 3-1 vol, donc ça peut être si vous avez un artefact, donc ouais, c'est plutôt correct. On a ce petit nain qui vous permet de vous auto-bouncer une carte. Ok, on a après un bon gros artefact, la 5-7 fabrication 1, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne grosse bête, donc qu'on va être tenté, je suppose, d'inclure dans notre deck, parce qu'en plus il n'a pas de contrainte de couleur. Étincelle de soudure inflige X blessure à la créature ciblée, X étant 3 plus le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc ça, en éphémère, c'est une super grosse gestion, ça va être très bien. Bon, j'ai mis mes rouges ici. Là, on a juste une 6-6, donc oui, c'est un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre 6-6. Donc ça, pareil, c'est plutôt bien. Non, on a plutôt des trucs corrects pour l'instant. La création civile gagne +3/+1 et 6/4. Ça peut être assez violent, ça, en éphémère en plus, vraiment très sympathique. Je pense que le pack est plutôt de qualité pour l'instant, même si on a un peu de toutes les couleurs. Mais c'est normal, on a un seul booster, on a forcément le même nombre de cartes de toutes les couleurs. Bref, un petit chasse-ange à nouveau, qui me dit 1-1, il peut devenir indestructible. Donc à moins de le booster et tout, je sais pas si c'est vraiment utile, quoi. Ça permet de faire un chum blocker récurrent éventuellement pour contrer un spoiler. Bref, ça c'est pas mal, voilà. Un bon petit blast, quoi, qui va aller mettre des blessures et faire un peu le ménage.
Le servant du conduit, ouais, ça c'est pas mal, qui vous fournit du mana un peu toutes les couleurs, c'est plutôt sympathique. Ensuite, le baron de la contrebande, on a une 1-4 lien de vie, et à chaque fois qu'un artefact arrive en jeu, sous votre contrôle, regard 1, ça c'est plutôt pas mal, franchement, c'est vraiment cool. Sauf qu'encore une fois, c'est bleu-noir, c'est une carte multicolore, et en limité, vous le savez, il vaut mieux, c'est vraiment un coup de chance, bah, si votre deck il est fort et qu'il vous dit, bah ouais, mon deck il est super stable et tout, je le fais bleu-noir, ça va être cool, oh bah tiens, justement, j'avais cette carte, c'est génial, je l'ajoute. Mais évitez encore une fois de vous dire oh j'ai tiré un Planeswalker mais il est rouge vert, je vais faire un jeu rouge vert parce que je veux trop jouer mon Planeswalker, et en fait votre rouge et votre vert il est naze et vous aviez un excellent blanc, un excellent bleu. Non, c'est une mauvaise idée. Vous rangez votre Planeswalker dans votre petite boîte et c'est tout, et vous vous dites que vous le jouerez plus tard et pas durant ce taper, ou alors vous splashez éventuellement, mais c'est pas forcément une bonne idée. Bref, première rare, et ben génial, une carte qui ne sert à rien puisqu'on pioche un terrain double, c'est super bien, mais pas en limité, ça sert à rien. Super. Poubelle quoi. Une emblème de Nissa, bah, ou un emblème plutôt. Donc si jamais on ouvre une Nissa, on pourrait être tout fier et dire ouais, je pose l'emblème que j'ai pioché dans mon booster l'avant-première, mais sinon ça n'a que très peu d'intérêt. Après si on pioche une Nissa, c'est bien, hein, je le souhaite. Donc 2-3 prouesses, ça pourra faire des choses si vraiment on s'oriente un peu contrôle, mais ce ne sera pas forcément le cas. Un petit 1-2 qui nous met qui nous met de l'énergie et qui peut en plus se booster un petit peu, ça peut être sympa. Engager la créature ciblée, piocher une carte, ça va pas forcément être très utile. 0-4 portée défenseur pour 2, c'est très bien. C'est très très bien. 4-4 défenseur qui nous met 4 énergie. Si on joue un peu sur l'énergie, c'est bien aussi. Et en plus on peut le faire attaquer si on veut, mais c'est pas forcément utile. 4-3 fabrication 1, c'est bien aussi, des bons trucs, hein. ça va nous chercher un terrain, ça met de l'énergie, c'est bien aussi. Franchement, à chaque fois qu'on pioche une carte, je dis c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me rappelle le pack d'avant, je disais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Super quoi. Petite 2-1 qui nous met de l'énergie, qui peut se booster, ça peut être bien aussi, c'est pas forcément très très fort. Voilà, donc ça vous prévenez les blessures de combat qui peuvent être qui devraient être infligées aux joueurs ce tour-ci. Donc ça pareil, effet de surprise, une sorte de fog en gros, on vous attaque, l'adversaire est sûr que vous allez être obligé de bloquer avec tout et donc il est sûr de faire le ménage, et vous jouez ça, vous encaissez tout, vous prenez rien, et après il est bien embêté avec ses créatures engagées. Donc voilà, ça peut faire des petits effets de surprise comme ça. Une petite 2-3 qui peut acquérir le lien de vie jusqu'à la fin du tour, c'est ok sans plus. Première Unko, on a une 0-3 vol donc pour 5 malheureusement, mais qui nous met deux petites 1-1 jetons, je vais y arriver, mais qui avec le vol. Donc ça c'est parfait, ça vous fait un mur de bloquant volant, c'est vraiment cool. Donc ça nous met des cartes dans le cimetière. Ok, ça sert à rien. Bon, je l'enlève. Ah, ça c'est bien. Bon, petit bleu. Je sens encore un petit bleu qui se dessine plutôt bien. Après, on n'a pas encore pioché de rares utiles à part lui, quoi. Bref, le vol, une 4-3 avec le vol, c'est bien. Par contre, elle ne peut bloquer que ce qui vole. Mais bon, le but, c'est d'attaquer plutôt avec votre 4-3 vol. La seconde rare, on aura le droit à un parasite du rebut que je pioche tout le temps, quoi. J'en ai trop marre. Donc on a une 3-2 qui ne peut pas bloquer. Et en exilant une carte depuis votre une autre carte de créature depuis votre cimetière, vous pouvez lui le renvoyer sur le champ de bataille. Donc ça fait une petite 3-2 qui va être récurrente. Mais bon, ça nécessite du noir. Donc ça peut être bien si on met. Oui, ça peut être bien, mais ça fait pas le café, quoi. Donc bref, un Kaladesh, franchement, il y a eu des bonnes petites Unko, petites communes. Niveau des rares, ben, on va aller se faire voir, quoi. Il nous reste 4 boosters. Je vais garder Adjani pour la fin. Parce que j'ai envie, tout simplement, voilà. Et donc, voilà. Est-ce qu'on peut renforcer cette première base avec d'autres cartes? On va voir, tout simplement. Alors, bah, un petit bleu contre-sort. Moi, j'aime pas trop jouer contre-sort, en général, en limité. Ça sert à rien. Ça, c'est une petite gestion au cas où. Ça, c'est une 3-3, c'est moyen. Ça, c'est une 2-2 qui, potentiellement, peut être une 3-3 avec la révolte. En volant, c'est un peu cher. Une négation, donc ça va, oui, ça peut éventuellement servir.
petite gestion blanche, ça c'est plutôt pas mal. Encore une gestion blanche, c'est plutôt pas mal. Cette carte-là qui fait des bonnes surprises et qui en plus recharge votre réserve d'énergie, ça, franchement, ça fait des surprises, c'est plutôt pas mal. Ça c'est ok sans plus, ça c'est pas fou. Ça pareil, ça peut être sympa si on joue la couleur qui va bien, sinon non. Encore du vol, on a beau, franchement, je pense qu'on commence à collectionner les cartes qui ont 3 ou 4 de force en vol en bleu, c'est assez violent. Donc là je pressens bien un bleu, une bonne grosse base de bleu bien volante, bien dégueu. On aura en rare Libératrice de la Roue Verdoyante qui encore une fois est une carte qui je pense est très bien en aggro, en construit, plutôt aggro, mais qui en limité va être justement assez limité. Ta-da-da. Bref, rien de plus ici, donc on continue. Donc voilà, oh là, c'est pas la joie, c'est pas que... C'est déjà... Franchement, je trouve, avec le peu One Over, déjà plus la joie que le pack d'avant, mais c'est pas encore ça, quoi. Ne serait-ce que pour ça, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, voilà, vous boostez un artefact, ça vous fait une 3-2, ok, ça on avait dit que c'était ok sans plus. Ça pour 3, vous avez une 3-3, quoi, voilà, super. Un petit regard 1, ça peut éventuellement servir. C'est très bien ça, petite gestion. Encore gestion. Peut-être un bleu-blanc avec que du vol et de la gestion, quoi. Le truc bien salaud et des cartes difficilement bloquables. Ouais, ça peut être bien salaud. On a pioché des gros trucs et tout en vert, mais j'imagine bien un truc un peu salaud, genre ouais, blanc-bleu Azorius là, avec que de la gestion à la con et des bonnes volantes qui poutrent, ça peut être bien. La carte là est pas mal, petit effet de surprise, c'est plus 4, plus 0 piète à une bête, ou plus 2, plus 0 piète à deux bêtes. Donc ça peut être sympa, ça peut faire des surprises encore une fois. Lui on en avait déjà parlé, il est pas forcément utile, quoique en limité, il peut dupliquer un artefact pendant un tour, donc ça peut éventuellement servir. Pourquoi pas, ça peut. Si ça peut être pas mal, ça, franchement ça peut être pas mal, je pense que ça se tente. Donc ça inflige pas mal de blessures, X étant la force, la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, ça coûte cher, mais ça peut gérer quelques petits trucs éventuellement. Oh yes, alors ça c'est bon. Alors c'est bon pour deux raisons. Premièrement, on n'avait encore jamais ouvert de Tezzeret sur la table. Enfin, pour trois raisons. Premièrement, sur la chaîne, on n'avait encore jamais ouvert Tezzeret, donc c'est cool. Comme ça, on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Deuxièmement, c'est une mythique. Et en plus, c'est un Planeswalker, et ça, en général, c'est spoiler, c'est fort en limité, si on peut les jouer. Troisièmement, on a déjà dit que probablement on partait sur du bleu, c'est quasi sûr. Donc même si on part pas sur du bleu noir, mais qu'on part sur du bleu blanc, on jouera un ou deux petits terrains noirs en splash pour ce format 2, donc ça veut dire que potentiellement on va peut-être pouvoir le jouer. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui fait Monsieur Conspirateur, Tezzeret le Conspirateur? Il coûte que 4, ça c'est plutôt bien. Il arrive avec 5 marqueurs de loyauté, donc il va être dur à descendre. Plus 1, vous créez le fameux jeton d'artefact incolore appelé la pile à Aetherium, qui peut, en s'engageant, se sacrifiant, ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Donc en gros, il vous pond des petits... pétale de lotus un à chaque tour, quoi. Donc après il vous fixe votre couleur, même si c'est pas forcément utile, mais il vous fournit du mana pour jouer des trucs plus gros, c'est plutôt bien. Moins 2, vous gagnez la créature ciblée gagne plus x moins x, je l'ai pas du tout, x dans le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc en gros, si vous avez juste ce qu'il faut comme artefact, vous pouvez aller pimper une bonne grosse volante pour faire en sorte qu'elle mette plein de baffes comme il faut au bon moment, ou alors tout simplement si vous avez les artefacts qu'il faut, vous pouvez l'utiliser pour gérer une créature adverse, quoi, tout bêtement. Donc ça peut être pas mal. Et son moins 7 qui dit vous gagnez un emblème avec, au début du combat pendant votre tour, l'artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact ayant une force et une endurance de base de 5-5. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vos petits artefacts vont devenir à chaque tour des 5-5, et c'est un effet qui s'arrête pas à la fin du tour en plus. Au début du combat, pendant votre tour, l'artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature, donc ça ne s'arrête pas à la fin du tour, donc vous allez pondre des 5-5 à chaque tour, et en plus, il est à moins 7, il commence à 5, il est assez facilement atteignable. Je pense que si vous avez le bon nombre de petits artefacts qui vont bien pour jouer avec, en tout cas en limité, là ça peut vraiment valoir le coup.
Non, je pense que c'est une très bonne pioche. Là, ça renforce vraiment la valeur du pack, hein, en quelque sorte. Je pense que là, c'est vraiment cool. Et en plus, j'ai l'impression que dans ce même booster, on a une foil, quoi. Ouais, on a encore trois cartes, donc on a une foil en plus. Donc on se fait grave plaisir sur ce booster. Et on aura le droit. On aura le droit en plus à une très bonne foil, puisqu'il s'agit d'un Ornithopter Unko. Ça, c'est ce que je disais. En fait, les boosters, c'est tout ou rien. Voilà. Ou t'as rien, ou t'as un Tezzeret plus un ornithoptère folle, quoi. Voilà, on se fait là pour le coup, vraiment, on se fait plaisir. Et là, on se dit, ah, je suis bien content d'être venu en avant-première ce jour-là. J'ai vraiment eu un pack qui me remonte le moral. J'avais passé une sale journée. Et en fait, ce qui est encore plus motivant, c'est qu'il me reste encore deux boosters à ouvrir. Voilà, c'est pas rien. Donc, ouais, là, franchement, je pense que ça fait plaisir. Donc là, c'est sûr, on part sur du bleu, à mon avis. Ça confirme un peu ce que je sentais. Le noir m'a pas semblé suffisamment balèze pour partir sur vraiment du bleu noir. Je voyais plus du bleu blanc. Si on tire un ange ou un truc comme ça pourrait être bien. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de blasts en rouge, quelques grosses bêtes, trucs intéressants en vert, mais pas forcément assez pour partir dessus. On va voir. Il reste deux boosters. Il reste un tiers du pack quand même. Donc, ça fait des petites surprises. Ça peut éventuellement servir. Ça peut éventuellement servir si on a assez de trucs à sacrifier, mais en limité on n'aime pas trop sacrifier des choses. Ou alors vous les sacrifiez, mais vous savez. Non, j'allais dire vous sacrifiez en réponse à une destruction, mais c'est pas possible, c'est que quand vous pouvez jouer un rituel, donc en fait ça c'est bof. Encore un petit petite volante, ça c'est bien. On prend tout ce qui est bleu qui vole, là on prend tout. Là c'est parti, on prend tout. Ça c'est pas terrible, ça c'est pas mal, c'est une bonne petite temporisation. Je pense que on peut vraiment partir un peu sur du blanc. Chasseur chassé, c'est bien, on va potentiellement pas jouer vert. Encore une volante blanche, c'est cool. Voilà, ça peut éventuellement servir. Moi, je le jouerai pas. Une bonne grosse bête rouge, ça c'est bien. Ouais, on a vraiment un rouge assez correct, je trouve. On n'a pas eu de rare ni rien, mais le rouge est assez correct. Alors, ça c'est fort. C'est plutôt fort. Par contre, c'est fort dans le deck, on va dire, plus construit, adapté. Quoique en avant-première, quelqu'un me l'a sorti et j'avoue qu'il m'a fait assez flipper. Je l'ai snipé direct, mais parce que le mec jouait plein de marqueurs partout, quoi, en gros, avec du noir. Mais là, là je pense pas qu'on va pouvoir la jouer. Petite 2-2, qu'est-ce qu'elle fait déjà celle-ci? Oui, elle peut détruire une créature engagée quand elle passe à contrôle. Ça, par contre, c'est assez violent. Ça fait une 2-2 et ça fait une gestion un peu violente. C'est plutôt bien. On aura droit. Oh là 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 là. On aura droit. Là, franchement, c'est le plaisir. Je pense qu'on peut clairement partir sur le blanc. On a eu. Alors, je dis ça, mais en fait, c'est un peu nimp parce que on a un véhicule 6-6 pour 3, pilotage 4, qui peut, s'il le désire, animer d'autres véhicules en payant 2. Par contre, si on regarde les véhicules qu'on a eu, bah, 0 à part celui-ci, quoi. À part le véhicule qu'on a eu au tout début. Donc, c'est bien, mais on n'a pas assez de véhicules. Malgré tout. C'est une carte qui met un coup de pression quand même parce que ça reste une 6-6, quoi, qui en plus a un effet blanc. Donc éventuellement, on pourra peut-être même éventuellement le jouer sur lui si jamais les deux sortent ensemble en même temps. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. On a eu l'emblème, donc coup de chance, donc on va pouvoir jouer cet emblème avec notre Tezzeret, donc c'est cool. Non, franchement, c'est pas mal. Et enfin, il nous reste encore un booster. Et avant de l'ouvrir, je vais en fait juste voir un truc parce que j'ai pas regardé. C'est un peu bête, hein, mais c'est en fait le dé. Voilà, je voulais juste voir. Voilà, c'est un signe. Le dé qu'on a reçu dans la boîte était bleu, ce qui indique qu'il faut qu'on joue bleu. Non, c'est pas du tout vrai, hein, mais j'ai envie de dire que c'est ça. Donc, ouais. Et c'est marrant parce que dans les deux packs qu'on aura ouverts, en fin de compte, à chaque fois, je partirai sur du bleu. Alors, c'est peut-être parce que j'aime le bleu, mais peut-être aussi parce qu'on a eu de la chance et que le bleu est fort, tout simplement. Donc c'est parti, on a un petit truc qui nous met des points de vie, ok. On a un petit truc qui va sniper en mettant -1/-1, c'est pas forcément cool. Une bonne petite bleue, pareil, qui tempo, qui nous charge en énergie. Faut voir après s'il y a des choses vraiment qui nous permettent d'utiliser l'énergie. Ce qui serait bien, c'est qu'on pioche la fameuse baleine là, qui ou kraken ou je sais pas quoi. C'est une grosse baleine, je crois, qui en fait nettoie toute la table. Sauf elle-même, mais je crois que c'était du Kaladesh en fait, donc on va pas pouvoir la piocher malheureusement. Ça, si on joue bleu, ça peut toujours être utile. Une petite gestion, celui-là qui est pas génial. Ça peut éventuellement servir. C'est la deuxième qu'on pioche, ça c'est plutôt bien si on décidait de jouer vert tout simplement. Ça c'est pas forcément utile. Lui il est pas trop mal, il va aller mettre -3/-3 quand même, ça peut faire de la gestion. On a pas mal de petites gestions quand même en noir, c'est plutôt bien. Touche le Tezzeret, donc ça c'est l'effet de Tezzeret, mais qui va se faire juste une seule fois sur un artefact.
mais que ça, quand vous le renvoyez dans votre main, dès que, enfin, vous renvoyez dans votre main, dès que l'artefact enchanté est mort, donc ça peut vraiment être fort. Je pense qu'on peut, limite tenter de le jouer si on splash un peu noir pour Tezzeret, ça peut être pas mal. Bah lui, encore une fois, il est bien, mais si on manque d'artefacts parce qu'on n'a pas forcément le jeu qui va bien pour, c'est assez limité, quoi. Et on aura le droit, bah, forcément, une rare rouge, hein, pour baisser un peu la valeur du deck, il fallait qu'on tombe là-dessus. C'est la carte qu'on avait ouverte en mode pré-release dans le premier pack. Donc, non, j'allais dire on a une foil, mais non. Donc, bah écoutez, c'est pas fou en limité. Et puis, si on joue pas rouge, ça vaudra. Enfin, ça sert pas à grand chose. Et voilà. Donc, mais écoutez, voilà, c'est tout pour ce pack. Franchement, moi, ça m'a beaucoup plus vendu du rêve que le premier pack qu'on a ouvert. Je pense que là, on aurait clairement. Je pense que là, on a moyen de. Pas forcément se faire un deck invincible ni rien, mais. Je pense qu'on a moyen de faire un deck. On voit bien que la pile de bleu, j'ai l'impression. Non, non, c'est la même taille. Je pense qu'on a moyen de faire un petit deck là qui va mettre un peu la pression à l'adversaire. Parce que même la carte là, franchement, elle vole quoi. On a tout et tout, elle vole. Même là, ça vole quoi. Enfin, je veux dire, là, niveau vol, je regrette l'absence d'un ange ou deux quoi. Ça aurait vraiment été l'éclate quoi. Mais ouais, au niveau des petites gestions quoi, en gros, c'est assez fou parce que. Là on a vraiment ce qu'il faut en bonne bébête, assez grosse volante et petits jetons à la con, et les quelques volantes en face qui pourraient poser problème, bim, on leur met un pseudo pacifisme dans la tête, donc ça peut être sympa. On pourrait presque tenter un tricolore avec le noir, même si c'est un peu risqué de jouer tricolore en limité, parce que bah, souvent on fait des manades dans le sens, enfin des color death dans le sens où on n'a pas les bonnes couleurs au bon moment, et surtout dans les cartes qui nécessitent plusieurs manas colorés, typiquement les cartes gold. Ou des cartes qui nécessitent voilà, deux manas colorés. Si on joue trois couleurs, il y a peu de chances qu'on ait les deux bleus au moment où on en a besoin. Donc voilà, donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais ouais, enfin, franchement, on a pioché des trucs très corrects dans ce pack, dont Tezzeret qui sera potentiellement jouable. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bien. Même si ça vole pas, hein, les trucs avec la portée et tout, là, je pense qu'on est bon là, on est plutôt bon. Bref, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes d'accord avec mes choix. Non, n'hésitez pas encore une fois à réagir sur tout ça et à me dire « Ouais non, t'as dit n'importe quoi, ça c'est des conneries, on peut pas jouer ça comme ça, c'est nul et tout. » En fin de compte, en bleu, on n'a pas une seule rare, quoi, donc c'est pas forcément fou. D'ailleurs, je sais pas où elles sont passées nos rares, parce que... ouais, attends... Bon, on a eu Tezzeret, certes. Ah oui, on avait eu un terrain double en début de partie qui était pas génial. On a eu cette rouge là qui nous servira pas forcément. Bon, sauf si on joue rouge quoi. On a eu le gros marcheur là. Oui, je l'ai mis comme ça pour voir les raretés plus rapidement, vous aurez compris. En noir, on a strictement rien eu. Hein. Ah si, on a eu. Ah oui, on a eu ce parasite qui va pas forcément nous servir. Non, ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas forcément sur les rares qu'on risque de gagner. C'est plus sur la mythique. Et sur la carte là qu'on risque de faire un peu des choses, mais c'est tout quoi. C'est à peu près tout. On a vu. Ah oui, celle-ci. Ouais, en fin de compte, les quelques rares qu'on a eu, c'est des rares pas ouf quoi. Sauf certaines. Bref. Mais écoutez, je pense que c'est tout. Voilà, je vous ai fait un petit récap. N'hésitez pas encore une fois à réagir, à commenter, etc. etc. Et bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Booster à la chaîne. Et d'autres révoltes éthériques, je pense, j'espère. D'autres, bah, sûrement des boîtes, je vais sûrement me reprendre des boîtes de toute façon, donc ça va être ça. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt et à plus.